Good morning, allez Iden, l'étude sera aujourd'hui le Nishmat Norbert Avram Chai Ben Fortuné et Olga Bat Sol Venish Chaya Batova Rachamim Ben Rosan Sikolofad Ovel Zoun Ben Chamelia Miramat Chassidad Oven Yudit et Sarah Bat Vitir Fka Vitor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions la Sechet Bechorot Perik Dalet Mishnah Zain et Chachoud à la Bechorot en Lokhin Mimenu Besar Tzvaim Velo Orot Shenan Avudim. Rabbi Eliezer Omer, l'okrin mimenu orot shel nekeva, ven l'okrin mimenu tsemer meluban vetsoui. Aval l'okrin mimenu tavoui obgadim. On traduit directement, et chashud ala bechorot. Il y avait un Kohen qui était soupçonné de mettre des moums dans les bechor. C'est-à-dire, lorsqu'on a le bechor, on rappelle toujours, lorsqu'on a un animal bechor, un premier-né, l'ouverture de la matrice, d'une vache, d'un mouton, d'une chèvre qui naît, alors l'animal il est kadosh, il faut en faire un korban. À notre époque il n'y a plus de korban, alors il faut patiemment attendre qu'il va avoir un défaut, il va devenir invalide pour le Beth Amikdash, puisqu'il a été invalidé pour le Beth Amikdash. Alors maintenant le Kohen aura le droit de le manger. Il y a un interdit explicite de faire ce défaut activement sur le Bechor, de lui inciser la lèvre, de lui inciser l'oreille, de manière à ce qu'il est devenu inapte au Misbéach. Il y a un interdit de le faire. Maintenant, si on a un Kohen qui est soupçonné, suspecté, de temps en temps, on réalise que chez lui, les Bechorot, comme par magie, eh bien, en très peu de temps, ils reçoivent des moums. Quand tous les voisins, ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans, ils font paître les moutons. Lui, comme par hasard, vraiment, toutes les 2-3 semaines, on lui donne un Bechor, 2-3 semaines après, il a déjà le moum. Il a des techniques un petit peu, il a une chance un peu trop bizarre. Donc il est chachoud à la Bechorot. Il est suspecté en fait de faire des moums activement. Alors si ce Kohen maintenant il va se mettre à vendre de la viande, on n'aura pas le droit d'aller acheter de la viande de chez lui. Tout d'abord, bien évidemment, c'est normal parce que ça se trouve, il est en train de vous fourguer de la viande de Bechor, ce duquel il a mis le moum activement. Mais mieux que ça, même en lokrin mimenu besar tzvaim, on n'achètera pas non plus de la viande de cerf, de faon, je ne sais pas exactement, de gazelle, je ne sais pas exactement lequel c'est, le tzvi. En tout cas, on n'aura pas le droit de prendre sa chair, même si vous allez me dire, mais ça, c'est pas possible, ça, on voit que c'est pas la même. Non, c'est pas vrai. Les viandes se ressemblent entre la viande de cerf et la viande de vache, comme ça s'est rapporté. La viande, elle est rouge, autant que le bassard Hegel, que la viande de Hegel de veau aussi, elle est rouge aussi. Donc tu la prendras pas, de peur qu'il est en train de vendre un à la place de l'autre. Velo orot chez Enan Avudim. Et tu n'achèteras pas non plus des pots de vaches, enfin plutôt de veaux, tu n'achèteras pas non plus des peaux de veaux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas été travaillées brutes. On va expliquer pourquoi. D'abord, je continue un petit bout, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, le krin memenu orot shenekeva. Rabbi Eliezer nous enseigne que tu auras le droit de prendre des peaux de femelles. On explique un petit peu mieux de quoi on parle. Achète des peaux à l'état brut. Alors, si l'animal c'est un béchor, on n'a pas le droit de profiter de la peau. Sauf s'il a eu le défaut, qui est tombé comme la. Qu'il a reçu un défaut comme la lacha le prescrit, et qu'après on l'a égorgé. Puisque cette personne-là maintenant, elle est suspectée de mettre ses défauts activement, d'inciser les oreilles de ses béchorotes pour pouvoir ensuite les égorger, eh bien dans ce cas-là, on soupçonne que peut-être, autant que la viande elle est interdite à la consommation, je crois que c'est plus d'arabanane, non? Ouais. Là, alors on va aussi faire une xéra sur sa peau, on ne va pas acheter de la peau. Maintenant, selon ce principe, on va commencer par Rabbi Eliezer. Selon ce principe, acheter une peau de femelle, ça devrait être permis, parce qu'il n'y a pas de béchor dans une femelle. C'est-à-dire, si là, c'était pas un veau, mais c'était une petite... Un veau, mais féminin, d'accord. Une petite vachette. Il y a un mot spécial qui m'échappe, désolé. Eh bien, donc, si c'était une femelle, il n'y a pas de béchor, il n'y a pas de douchat de béchor. Donc, en théorie, aucun problème à acheter une femelle. Malgré tout, Harami, mes interdits, ils disent non, peut-être qu'il est vicieux, ce Kohen, qui va réussir en fait à avoir une peau de veau, qui va la prendre, il va donc dépecer le veau, il va lui prendre la peau, il va lui couper juste la partie génitale, il va faire ensuite, il va la vendre en guise de femelle. Donc, à cause de ça, Harami, mes interdits, même d'acheter une peau de femelle. Mais par contre, on avait le. Mais malgré tout, les peaux que tu n'as pas le droit d'acheter de chez lui, ce ne sont que les peaux qui sont encore à l'état brut.
Mais si la peau, il l'a travaillée, vous savez, quand une fois qu'on a fini de dépecer la peau, il fallait travailler. Dans la Mishnah, on en parle, il la mettait par terre pendant longtemps, il devait marcher dessus, il piétinait, tout ça, jusqu'à qu'à la fin, elle va se ramollir. Apparemment, sinon, le cuir, il est très dur pour le moment. Tout ce que la Mishnah nous interdit, c'est que de prendre une peau à l'état brut. Mais si la peau, elle était travaillée, étant donné que travailler la peau, ça prend beaucoup de temps, alors on ne va pas soupçonner qu'en fait, c'était une peau d'un béchor duquel il a mis il a fait un défaut dessus. Pour quelle raison? C'est très simple. Il a peur que les chachamim, que les rabbanim vont apprendre qu'il est en train de trafiquer des peaux et de trafiquer des béchorot. Puisqu'il a la peur, il a donc la feu aux poudres de se dépêcher de vite écouler son stock, de peur que d'un coup il va se mettre à travailler pendant 2 mois, 3 mois, ou pendant 2-3 semaines, et d'un coup les rabbanim vont dire non, on n'achète plus chez lui, il n'a pas envie de se faire griller. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite écouler le stock. Ouais, la recel, il l'a fait très rapidement. Il n'y a pas de recel qui dure longtemps chez le voleur. C'est le même principe. Il ne va pas se mettre à garder la peau et à se mettre à la travailler de peur qu'il va se faire attraper. Donc, s'il vous vendre une peau, même de femelle, ils vont dire, t'achètes pas si elle est l'état brut. Mais si elle a été travaillée pendant 2-3 semaines, ou je ne sais pas combien de temps ça prend, d'être travaillé chez lui, dans ce cas-là, tu pourras acheter la peau, parce que c'est sûr que ça ne vient pas d'un béchor. Et on continue, avec selon le même principe aussi, « Ven lo krin memenu tsemer meluban vetsui » On ne pourra pas acheter non plus de lui, littéralement, de la laine qui a été blanchie, ou qui est encore sale. En fait, dans le bâton dans l'esprit, qui veut dire la laine qui a été uniquement nettoyée de sa saleté. La laine à l'état brut du béchor, on avait dit, lorsque le béchor, on n'a pas le droit de tondre le béchor tant qu'il est vivant. Mais une fois qu'on a eu la permission de lui faire la shrita, parce qu'il avait le défaut comme il fallait, eh bien, désormais, on aura le droit de lui faire la shrita, on aura le droit de profiter de sa peau, et même de lui prendre la laine aussi. Donc, en théorie, il peut nous vendre de la laine, un Kohen, même si ça vient d'un béchor. Mais chez lui, on craint qu'il a mis le défaut activement, il a perforé l'oreille, ou le nez, ou peu importe. Donc, de ce fait, tu ne pourras pas acheter de la laine, mais avec, selon le même principe, uniquement la laine à l'état le plus brut, ou même s'il a passé quelques petites minutes d'investissement pour la laver, tu n'auras pas le droit de la prendre. Mais si toutefois, ça a été de la laine qui a été travaillée, alors c'est sûr que ce n'est pas de la laine qui provient d'un béchor, et c'est pour ça que Aval Lokrin Memenu Tavui Ubgadim. C'est pour ça, par contre, que tu auras le droit d'acheter de lui de la laine qui a été tavouille, qui a été tissée, ouais, qui a été effilée plutôt, effilée ça se dit, ouais, quand on prend la laine à l'état brut, il faut la garder, l'éclater en petites fibres, après on prend les fibres et on est tauvé, on fabrique un fil, on les double, on les triple, et voilà, ça c'est tavouille, et bgadim, c'est qu'on en fasse des vêtements à plus forte raison, le Bartholomew explique qu'en fait c'est qu'il en a fait du feutre, avec la laine, je ne sais pas comment c'est quoi le procédé exactement, mais la laine avec de l'eau chaude, il y a un moyen de faire en sorte de la peau, on fait des chapeaux avec le feutre aussi, et c'est une autre manière de souder la laine, les fibres de la laine, mais pas en faisant des fils. En tout cas, ces travaux demandent beaucoup de temps, et de ce fait, si le Cohen il l'a fait, alors on va pas le soupçonner que peut-être ça vient de la laine qui est interdite, parce qu'il a peur de se faire attraper dans sa recelle. Donc c'est sûr que s'il a fait ce travail, il a pris longtemps, c'est sûr que c'est la laine permise à l'utilisation. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha, kol tov, salam.